Elle a approximativement le même âge que moi. Quelques années de plus. Ou de moins, c'est sans importance. Alors, ce n'est plus tout à fait un jeune homme, mais grâce à son charme naturel, à son goût pour l'exercice physique, à un tempérament optimiste, à une santé de fer, à un niveau de vie sensiblement supérieur à la moyenne nationale, et à un orthodontiste habile. Son allure est celle d'un homme encore jeune, jeune et énergique, libre en apparence. Pour parler comme le sociologue que je ne suis pas, les deux personnages que nous sommes sont dans la même tranche d'âge. La liste de nos points communs s'arrête là. En dehors de ça, je dirais que selon un procédé dramatique courant et éprouvé, tout nous oppose. Alors on peut en outre supposer que 70 à 80% des femmes interrogées admettraient sans rougir qu'il est doté de ce que, entre le milieu des années 1930 et la fin des années 1980, il a été convenu d'appeler le sex-appeal. Alors quelques-unes, un petit cinquième peut-être, réprimant un frisson, décèlerait chez lui un soupçon de vulgarité. Si le but de mon existence à moi consiste à me procurer un maximum de bien-être en occasionnant un minimum de tort à autrui, sa ligne de conduite à elle tient en quelques maximes simples et non négociables. Entre la douceur et la douleur, choisis la douleur. Entre une comédie divertissante et un drame de 3 heures en taille, choisis le drame de 3 heures. Entre la version avec et la version sans sous-titres, prends la version non sous-titrée. Pour ma part, ce n'est pas le terme que j'emploierais, vulgaire, non. Je préfère parler à son sujet d'aisance, de prédisposition pour le bien-être et l'harmonie, de bonhomie. Et j'émettrais l'hypothèse qu'à force d'être indulgent et accommodant avec son prochain, il a fini par le devenir également avec lui-même. Se passant certaines facilités, certains raccourcis, certains compromis avec sa conscience. Et... Entre une soirée sympa entre amis et une soirée en solitaire à ruminer tout le mal que tu penses de l'humanité en général et tes amis en particulier, choisis la soirée en solitaire. Entre une semaine au Club Med et le suicide par pendaison, alors là c'est sans hésiter, hop pour le suicide par pendaison. Raccourcis et compromis, qui si rien ne venait le tirer de cet état de somnolence tant éthique qu'esthétique, finirait par le faire ressembler à la caricature de ce qu'il est aujourd'hui. Une caricature, pour le coup, franchement vulgaire. Elle est à elle seule. La plaignante, l'accusée, le procureur, le juge sans merci, d'un procès sans fin, sans avocat et sans appel. En un mot, c'est une emmerdeuse. De compétition. Il est 20h12. On est chez moi et je danse. Hop ! C'est vraiment emmerdant, mais non, Bruckner n'aimait pas Hitler. Bruckner est mort, Hitler avait 5 ans. C'est Hitler qui vénérait la musique d'Anton Bruckner et la 7e symphonie en particulier. La 7e symphonie. Oh. Bon, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas bousillé les tympans, là? J'ai l'impression de parler à une sorte d'édredon. Mais en fait, vous êtes qui, là? Je suis votre voisine de palier et je vous parle du scherzo de la 7e symphonie d'Anton Bruckner que vous me condamnez à supporter, moi et mes patients et tous les meubles depuis plus d'une heure. Vous êtes médecin? Je suis psy. Vous êtes psy?
Si je vous dis je suis psy, oui. Non, 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 mais je veux dire vous êtes psy-psy. C'est quoi psy-psy pour vous? Non. Il y a des psy-psy, moi je sais pas, je connais pas. Non, 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 mais je veux dire... Vous avez remarqué que vous dites souvent je veux dire? Vous croyez pas qu'il vaut mieux dire que vouloir dire? Ah ouais, vous êtes vraiment psy, quoi. Enfin, je veux dire... Non, non, pardon, non, je veux pas dire... Non, je suis psy, je suis vraiment psy, vous voulez dire quoi? Ah non, non, mais je veux rien dire. Ah, vous ne voulez rien dire? Ah non, non, mais je dis... Vous dites quoi? Que vous êtes une vraie psy. C'est quoi, une vraie psy pour vous? Je connais. Vous interprétez tout, tout fait signe, tout fait sens, pipi, caca, dodo, papa, maman, bobo... Non, mais vous prenez combien de la demi-heure? Non, je ne suis pas venue vous parler de mes honoraires. Je suis venue vous demander de baisser votre musique de nazi, ok? Ok. Bonsoir. Bonsoir. On se fait face pendant un instant. Je remarque que ces prunelles sont comme deux pierres polies semé de minuscules points jaunes. Sa main me fait penser aux mains du potier dans les contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi. Je la vois pour la première fois, mais c'est comme si je me souvenais des dizaines de milliers d'heures que nous allons partager, elle et moi. Il est tout ce que je me vante de regarder de haut, mais si là, tout de suite, il me recueillait dans ses bras, je crois que je pourrais fondre en larmes de bonheur. Puis elle tourne les talons. Et il referme la porte. Un peu trop fort. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, on est chez moi. Je lis un bouquin. Un pavé en anglais que je dois résumer avant demain matin pour la revue professionnelle dans laquelle j'écris régulièrement. J'en suis seulement à l'avant-propos. J'ai peut-être un plaid écossais sur les genoux. Peut-être. Mais même si je n'en ai pas, c'est comme si j'en avais un. On frappe à la porte, toc toc. Re-toc toc. Il avait vraiment 5 ans, Hitler, quand Bruckner, là, il est mort. 5 ou 6, je ne sais plus. Ah, c'est fou, ça. Qu'est-ce qui est fou? Non, mais ça, d'imaginer Hitler à 5 ans, c'est fou. Parce qu'un petit gamin de 5 ans, c'est forcément tout mignon. Alors, c'est vrai que c'est fou d'imaginer Hitler tout mignon. Sans la moustache. Vous me dérangez pour me dire ça? Non. Bon, il fait très froid, là, sur le palier, vous voulez quoi? Je peux entrer un instant. C'est marrant, ça, hein? C'est marrant de se voir. Non, je veux dire, c'est marrant de voir comment vous me voyez quand moi, je suis chez moi, là. Enfin, là, vous êtes chez moi. Ah! Alors, c'est là que vos patients... Non! Ah, d'accord. Non, mais je veux dire... Non, pardon, je veux pas dire. Mais vous les allongez, non? Vous les... Non, je n'allonge personne. Certains de mes patients sont en position allongée, d'autres non. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je dois prendre un article sur ce bouquin. Je suis seulement à l'avant-propos. Vous le pensez vraiment? Ce que vous avez dit sur mon morceau, là, vous pensez vraiment que c'est de la musique de nazi? Ah, s'il fallait renoncer à écouter tous les musiciens qu'appréciaient Hitler et ses petits copains, le commandant d'Auschwitz pleurait en écoutant Schubert. Et c'était vraiment le compositeur préféré d'Adolf Hitler, Bruckner, là. Oui, oui, mais vous ne pouviez pas le savoir. C'était pas Richard Wagner, son truc à Hitler? Non, écoutez, je ne suis pas une spécialiste des hobbies d'Adolf Hitler. Hitler aimait Wagner, Hitler aimait aussi Bruckner. Voilà, c'est pas une tragédie. Ah! Je crois que les nazis ont passé votre symphonie à la radio pour annoncer la mort du Führer. Bon, ça ne doit pas vous empêcher de l'écouter, mais juste à un volume raisonnable. Les nazis? Les nazis ont passé ce truc-là? Pour la mort de Hitler? On peut vérifier, mais oui, je crois. Merci. Pardon, non, non, pardon, non, non. On lance un nouveau décès à l'actée. L'agence propose cette musique pour le spot.
Je suis chef de produit chez Yoplait. La petite fleur. Vous imaginez si j'avais validé le scandale sur la blogosphère, Danone en embuscade, un petit malin manipulé qui balance l'info, une croix gammée à la place de la petite fleur, et là, bam! Là, c'est l'ouverture de la chasse avec moi à la place du lapin. Vous vouliez utiliser Bruckner pour votre pub? L'agence. Ah, les cons! Vous étiez sur le point de valider Anton Bruckner pour vendre un de vos nouveaux yaourts. On cherche une musique qui est du coffre, qui est de la fougue. C'est pas vraiment un yaourt, attention, hein, c'est... C'est entre fromage blanc et crème dessert, c'est très léger, avec un côté à la fois tradition et vitalité. Le cœur de cible, c'est la sexagénaire épanouie, oui. La sexagénaire. La jeune retraitée, bien dans ses escarpins, qui a du temps pour tout et qui a renoncé à rien. Ah, et si je ne vous avais pas dit que Hitler... Oh, merci. Oh, la gaffe. La gaffe. C'est moi qui prenais, hein. Ah, je suis pile le fusible, moi. Parce qu'en dessous, ils sont pas responsables. Au-dessus, ils sont au-dessus. Je vous offre un verre, hein. J'ai un petit chablis au frais, on fait ça, 10 minutes. Ou au bar en bas, si vous préférez. Non, vous savez ce que je pense? De quoi? De vous, de Yoplait, de Hitler. Quoi? Vous avez une idée de ce que c'est Anton Bruckner? Un génie. Vous savez ce que c'est un génie? Ouais, un génie. Un génie, c'est un dieu. C'est un homme, Dieu. C'est Dieu dans l'homme. Et Dieu ne vend pas de yaourt. Qu'est-ce qui vous prend avec Bruckner, là? Il y a un quart d'heure, vous menaciez d'appeler les flics si j'arrêtais pas sa musique. Ah non, alors je n'ai jamais menacé personne d'appeler les flics. Mais ça en dit long sur votre personnalité et vos automatismes de croire que quand quelqu'un vous demande courtoisement de respecter la tranquillité du voisinage, c'est comme s'il vous menaçait d'appeler les flics. Vous m'avez rien demandé courtoisement, hein? Bon, vous avez peut-être pas parlé des flics. Non, pas peut-être, sûrement. Non, vous avez peut-être pas parlé des flics. J'ai sûrement pas parlé des flics. Vous avez sûrement peut-être pas parlé des flics. Mais vous m'avez traité d'édredon. C'est courtois, édredon. Je ne vous ai pas traité d'édredon. J'ai dit, précisément, que j'avais l'impression de parler à une sorte d'édredon. C'est un petit peu pareil, quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de l'indécence de ce que vous vous apprêtez à faire? Mais je m'apprête à faire quoi, moi? Est-ce que vous êtes conscient que ce sont des êtres de votre espèce qui contribuent à l'avachissement moral généralisé d'une civilisation née il y a 28 siècles avec Homère? Vous avez du travail, je vais vous laisser. Mais oui, on n'utilise pas les grands mots dans le monde du marketing. Non, tout de suite, là, c'est pas les grands mots qui me font peur, non, c'est... On devrait classer la grande musique. Vous savez pourquoi? On classe les monuments historiques, les châteaux, les maisons, les vieilles pierres. Pour que des petits salauds dans votre genre ne transforment pas une église romane du XIIe siècle en lupanar pour sexagénaire, par exemple. Bon, alors il y a quand même un moment où les petits salauds, les édredons, je crois que ça va aller comme ça, hein. Je préfère partir parce qu'on m'a pas appris à être mal poli avec les dames. Ah oui? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire? Absolument. Ça veut dire bonsoir. Oh! Et donc, si j'étais un homme, vous me diriez quoi? Non, mais il n'y a pas de si, il n'y a pas de si. Si, si, si le petit Hitler était mort à 5 ans, écrasé par un tramway, on n'en serait pas là non plus. Dites, vous devriez lever le pied sur Hitler, hein, ça devient suspect. Moi, je dois lever le pied sur Hitler? Oui, Hitler, le Troisième Reich, les croix gammées. Vous parlez que de ça, hein, franchement, c'est glauque. Mais non, c'est vous. Mais non, c'est pas moi. Moi, je suis juste venu vous dire que vous me cassiez les oreilles avec vos trompettes. Ah, c'est pas mes trompettes, hein, c'est vos trompettes. C'est votre Bruckner, là. C'est vous qui me faites un procès en sorcellerie pour avoir simplement envisagé d'utiliser la musique du génie pour juste donner envie à des hommes, à des femmes, de goûter un nouveau dessert lacté, made in France. Mais absolument! Vous imaginez que si j'avais pas été là, des millions de malheureux auraient été conditionnés par votre pub débile après s'être fait matraquer par votre campagne à chaque fois qu'ils entendront les sublimes premières mesures du scherzo de la 7e symphonie d'Anton Bruckner. Quelle est l'image qui surgit? Quelle est la vision qui se dresse et menace d'engloutir le pauvre cerveau pavlovisé, hein? Un tsunami de fromage blanc? Je peux vous poser une question?
Ouais, vous me laisserez tranquille après. Non, c'est moi qui vous laisse pas tranquille. Non, qui est chez qui, là? C'est moi qui suis chez vous? C'est moi qui vous empêche de travailler depuis un quart d'heure? Qui a sonné en premier chez l'autre? C'est vous! C'est vos trompettes qui ont sonné chez moi avant que je vienne sonner chez vous. Bonsoir. C'était quoi la question? Vous êtes comme ça avec vos patients? Comme ça comment? Bonsoir. Il ouvre la porte, sort et referme doucement la porte derrière lui. Je reste seule. Provoquez-le. Ne laissez plus faire le hasard, provoquez-le. Le site numéro 1 des rencontres par affinité. 397 histoires commencent chaque jour en France sur notre site. 25% d'entre elles aboutissent à une histoire d'amour durable. Rencontrez celui ou celle qui vous correspond vraiment. Faites gratuitement notre test d'affinité. Je suis A, une femme qui cherche un homme. B, un homme qui cherche une femme. C, un homme qui cherche un homme. D, une femme qui cherche une femme. Une femme qui cherche un homme. Un homme qui cherche une femme. Entre 30 ans, 40 ans et... 28. 38 et 50 ans. 28 et 42. 36 et 49 ans. T1, 41. Mon pseudonyme. Le chien. Le chat. Ce pseudonyme n'est pas disponible. Voici quelques suggestions. Le chien A744. Le chat B656. Tarzan. Iseu. Ken. Juliette. Babar. Ève. Ce pseudonyme n'est pas disponible. Ah bon, ben je sais pas, moi. Édredon. Édredon douillet. Docteur Toc Toc. Bienvenue. Édredon douillet, choisissez votre mot de passe. Votre adresse e-mail. Votre adresse est confidentielle. Alors, je certifie être majeur et avoir lu et accepté. Accepter les CG. Les, CG. Ah, les conditions générales d'utilisation. Je valide mon inscription. Passez le test de personnalité. Découvrez une sélection de célibataires en affinité avec votre profil. Entrez en contact et échangez. Alors, première question. Je préfère qu'elle soit directe, délicate, réservée, séductrice, réfléchie, instinctive, casanique, noctambule, imprévisible, organisée, rationnelle, rêveuse, vif et énergique, cool et détendue. Son niveau minimum d'études. Pas de préférence. Bac plus 5 et plus. Ce critère est-il important? Un trait. Non. Pas important. Ce que je regarde en premier. À sa bouche. B, son torse. Son torse, on vit pas à Hawaï. Ses pieds. D, ses fesses. Ses yeux. Ses mains. Ils se sont rencontrés sur notre site, ils témoignent. Nous avions un taux de compatibilité de 85%, nous nous sommes lancés. Et maintenant nous faisons cap vers le bonheur. Signé Pauline. Notre histoire est un réel bonheur. Adieu les angoisses de la solitude, bonjour les projets, les voyages, la complicité et les rires qui sont au cœur de notre nouvelle vie, signée Maxime. Votre vision du couple? Faire des projets en couple et se projeter ensemble à long terme, c'est... Important. Secondaire. Prendre des décisions ensemble. Important. Secondaire. Avoir des gestes tendres au quotidien. Sentir que je suis l'homme de sa vie. Non, mais on se croirait dans une pub pour un yaourt. La sexualité dans mon couple. A, c'est important. B, c'est secondaire. Bah, pas seulement dans le couple. C'est important tout court, la sexualité. C'est important, mais il y a beaucoup d'autres choses. En même temps, si je mets que c'est important, ils vont me prendre pour une nymphomane. Si je mets que c'est secondaire, elles vont me prendre pour un impuissant. Bah, secondaire. Important. My life now. I'm out.
ne fais rien, là. Et qu'est-ce que vous faites pas, là? Perdu mes clés. Vous avez appelé un serrurier? Mon portable à plat. Ta-d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 a
Parce que sinon, c'est trop facile, hein. Des chèques en bois, tout le monde peut en tirer. Et des conseils, tout le monde peut en donner. Et moi, vous savez ce que je pense, hein? Je pense que dans le cas inverse, vous seriez passé sans même m'adresser la parole. Vous m'auriez claqué votre porte-au-nez. Vous m'auriez laissé comme une merde là, sur le palier. Procès d'intention. Sous-entendu. Agressivité idiopathique. Si j'étais vous, j'irais consulter. Vous me traitez d'idiopathe? Non, je ne vous traite pas d'idiopathe. Je vous parle d'agressivité idiopathique. D'agressivité non motivée, comme les chiens enragés. Mon agressivité non motivée, là, mais vous êtes sérieuse? Non seulement je suis sérieuse, mais je suis sérieusement inquiète. Parce que là, vous présentez tous les symptômes d'un commencement de névrose paranoïaque obsessionnelle. Et quand je dis névrose, j'espère pour vous qu'on n'est pas déjà carrément dans la bonne vieille psychose schizoparanoïde. Pourquoi vous êtes comme ça? Je suis comment? Ah non, là... J'ai jamais rencontré de femme comme vous, moi. Oh, même pas d'homme, d'ailleurs, mais bon... Bah, un homme, on se dirait, bah, il doit être frustré, quoi. Il a pas réalisé ses rêves d'enfant, il est comme un tigre en cage, mais enfin une femme... Rassurez-moi, vous vendez toujours des yaourts. Vous n'allez pas ouvrir un cabinet juste en face du mien. Je vous ai rien fait, moi. On se connaît à peine. Je vous suis à ce point antipathique. Comment vous allez faire pour vos clés? Comme vous. Je vais attendre le matin, j'appellerai la femme de ménage. Elle est bien, votre femme de ménage? Elle l'est. Mais elle fait bien le ménage? Non, mais... Et pourquoi je vous suis à ce point antipathique? Mais vous ne m'êtes pas antipathique. Mon avion a eu 10 heures de retard. J'étais en Argentine pour un congrès, j'ai voyagé 12 heures collée à une espèce de Finlandaise, là, très enrhumée, avec un anneau, là. Je suis crevée, voilà. Une Finlandaise? Bon, ben, elle n'a pas ouvert la bouche du voyage, ni un bouquin, ni même un magazine débile, donc c'est juste une supposition. Elle avait une tête de Finlandaise. Mais c'est comment une tête de Finlandaise? Le cheveu trop jaune, la joue trop rose, l'œil trop bleu, l'air trop cool... Le pull tricoté main. Ah, voilà. Ah, c'est comme ça, les Finlandaises. Le type Finlandais. Elle était peut-être australienne, ah, ou bulgare, ça, ou bretonne. Mais elle avait une tête de Finlandaise. Mais quoi? Ça vous pose un problème que je dise ça? C'est choquant. Pas du tout. Non, mais si vous lui aviez parlé, bah, elle aurait peut-être ouvert la bouche. Mais pourquoi vouliez-vous que je lui parle? Vous êtes psy. C'est votre métier, la parole. Ah, parce que vous, quand vous voyagez en avion, vous trimballez avec des packs de yaourts dans vos poches pour les fourguer à vos voisins? Moi, en tout cas, quand je voyage, je m'intéresse à ce que les autres mangent. Je regarde ce qu'il y a dans leur assiette. Je fais toujours un petit détour par l'épicerie du coin pour voir le genre de produits laitiers qu'ils consomment. Bon, écoutez, j'ai voyagé 12 heures en essayant de respirer le moins possible pour éviter d'attraper les miasmes de ma voisine qui a passé son vol à tousser, à cracher et à se racler la gorge. Vous vouliez que je lui parle en plus? Vous avez un problème avec les microbes? Non, les microbes ont un problème avec moi. Bizarrement, quand j'attrape un microbe, je tombe malade. Les microbes, les punaises... C'est pas un petit peu contradictoire pour une psy, la phobie des petites bêtes? Vous faites comment dans votre cabinet? Je n'ai aucune phobie, je dis juste qu'il n'y a rien de plus répugnant qu'un nez cramoisi, infecté, suppurant et piercé. J'ai passé mon vol à visualiser l'anneau de cette fille, la trempouillant dans une flaque de morve. Je croyais que la première qualité d'un psy, c'était la tolérance. Ah, c'est bien une opinion de vendeur de yaourt, ça. Je croyais que la deuxième qualité d'un psy, c'était le respect de l'autre. Il est 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi depuis 24 heures. Je suis enfermée dehors. Et je suis obligée de subir les leçons d'un chef de produit de chez Yoplait. La tolérance. Le respect.
Mais vous respectez l'autre, vous, quand pour vendre une de vos nouvelles crèmes dessert, vous profanez l'œuvre d'un compositeur de génie. Il y a beaucoup de compositeurs de génie qui seraient très flattés qu'on leur commande la musique d'une nouvelle campagne Yoplait. Mais pourquoi vous leur demandez pas? Pourquoi vous voulez la musique d'un mort? On vole rien du tout, enfin. On paie des royalties, hein. Bien, le compositeur est mort depuis plus de 60 ans. Mais je ne vous parle pas de royalties. Vous savez ce que c'est que d'être mort? À vous, vous savez. À la seconde où vous mourrez, votre vie vous échappe. Oh, oh c'est profond, ça. Oui, parce que vous, si je vous traite de petit cadre étriqué à la morale de supermarché, vous allez vous défendre. Bon, vous n'avez pas beaucoup de répartie, mais vous avez toujours le moyen de bredouiller votre petite vérité. Vous pouvez même me gifler si vous êtes à court d'arguments. Mais les morts, ils peuvent rien, ils peuvent pas. Leur vie nous appartient. Ils sont la proie des vivants. Alors commencez par respecter les morts, et je vous respecterai. Qu'est-ce que vous faites? Le petit cadre étriqué retourne en boîte! Dire des bêtises à des filles qui ont envie qu'on leur dise des bêtises, vous devez être très fort pour ça. Vous êtes jaloux? Oh, de qui? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé en boîte? Mais ça veut dire quoi, ça? Je suis trop moche, trop vieille, trop ringarde? Syndrome caractérisé de névrose paranoïaque! Vous avez juste posé une question, moi? Ouais. Une question pleine de respect et de tolérance. Ah oui, ça manque de respect de vous demander ça. Oh, regardez-le. Il croit qu'il tient quelque chose. Il s'imagine qu'il a mis le doigt là où ça fait un peu mal. Ça vous fait mal? Que je vous demande depuis combien de temps vous n'êtes pas allé en boîte? Non, vous croyez que ça me fait mal. Mais c'est pas votre faute, hein. Vous êtes fait comme ça. C'est un mélange de déformation professionnelle et de phallocentrisme ancestral. Je me rends pas bien compte. C'est grave, le phallocentrisme ancestral. C'est fou. Non, allez-y. Ah là, je vous ai blessé. Je le vois, hein. Tiens, nos métiers, ils sont pas si différents que ça. Moi aussi, je suis entraîné à observer les réactions non-verbales. On fait tout le temps des tests, des réunions de groupe, pour mesurer l'impact de tel ou tel nouveau concept sur tel panel. Mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre voix, elle a changé. Il y a une petite fêlure, une petite note dans les aigus. Puis vos joues, elles vont rougir. Hein. Pendant quelques secondes, on aurait dit des petites cerises. Bon, écoutez, comment une femme comme vous peut être vexée parce qu'un type comme moi lui demande depuis combien de temps elle n'est pas allée en boîte? Ok, vous m'avez vexée. Vous m'avez blessée, c'est vrai. J'ai perçu dans votre question innocente comme l'ombre d'un sarcasme. Ah oui. Il se trouve que tous les soirs, je meurs d'envie d'aller en boîte et que je me l'interdis. Je me l'interdis parce que je suis complexée. Je suis complexée parce que je me dis que les filles qui s'amusent dans ce genre d'endroit sont plus jeunes que moi, plus pétillantes, plus bandantes. Et même quand j'avais leur âge, je ne me sentais pas à mon aise parmi elles. Voilà. Alors, à force de m'interdire ce genre de plaisir, la frustration m'a aigrie et a fait de moi une coupeuse de couilles. C'est pas du tout ce que vous pensez, hein. Ce que vous avez voulu dire en me posant cette question, c'est ma vérité. C'est la vérité de la majorité des femmes qui n'ont pas la chance d'être roulées comme vos copines. Parce que moi, dans le fond, je mourrais d'envie d'avoir le cul, les seins, les lèvres d'une de ces filles. Et que certains soirs, les hommes me traitent comme une belle pute.
Vous n'y allez pas? Je vais rester un petit peu là, moi. Qu'est-ce que vous faites? Je vais me promener. Ça vous embête pas de garder ma valise? Non, non, mais vous n'allez pas aller dehors toute seule à cette heure-là. Oh, qu'est-ce que je risque? Mais restez un petit peu. Dormez là. Bonne nuit. Elle se glisse dans la cabine de l'ascenseur. La porte se referme doucement sur elle. Et moi, je reste seul. Avec son parfum. I do not know I must be dreaming I cannot believe it's already morning Impatience is itching My head is rattling Je vends des yaourts, c'est mon métier. Études de marché, analyse de la concurrence, connaissance précise des besoins et des envies de la cible. Je devrais être capable de me présenter, de mettre dans le mille. Hein. Et je m'aperçois qu'il y a une légère différence entre vendre des yaourts aux fruits et se vendre soi-même. Chamfort. Pas Alain Chamfort. Hein. Chamfort, le moraliste du XVIIIe siècle, a écrit que l'amour n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Freud, quant à lui, pensait que jamais nous ne sommes davantage privés de protection contre la souffrance que lorsque nous aimons. Alors, entre l'extrême légèreté et la passion qui dévaste tout, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, je ne me vends pas. Il n'y a ni cible ni produit. Il y a juste quelqu'un qui cherche quelqu'une, qui cherche quelqu'un. Mon métier est d'écouter celui ou celle qui vient me voir parce que quelque chose ne va pas. Si mes patients savaient que je m'inscris sur ce genre de site, je crois que je perdrais toute crédibilité. On dit de moi, je suis plutôt ouvert, enthousiaste, curieux. J'ai des goûts simples, j'ai pas mal d'amis et pas d'ennemis à ma connaissance. À part une voisine insupportable, elle finira par déménager. Après avoir répondu sincèrement aux innombrables questions du test de personnalité, je m'aperçois que je ne sais ni décrire qui je suis vraiment, ni décrire le type de type que je recherche. Est-ce que tout cela ne ressemble pas à du marketing amoureux? Et s'il y a bien un mot auquel je suis allergique, c'est celui-là. Je ne connais pas la couleur de cheveux de la femme idéale, ni sa taille, ni si elle préfère les films d'amour ou les films d'horreur. Pour moi, j'aime les deux. Mais ce que je sais, c'est que ce que j'aime chez une femme, c'est la légèreté. Le goût des autres. Et par-dessus tout la douceur. Alors, gendarme, castratrice et donneuse de leçons, s'abstenir. J'aime la grande musique, les grands livres et l'art en général, dont Freud disait qu'il compense les renoncements nécessaires exigés par la civilisation. Enfin, c'est-à-dire, en gros, qu'il vaut mieux relire Crime et Châtiment plutôt que d'étrangler son voisin, même si on en meurt d'envie. Voilà. Voilà un peu de mots mon profil. Je ne sais pas si c'est mon bon ou mon mauvais profil. Je ne sais même pas si j'en ai un bon. À toi de juger. Quand on y réfléchit, les chances de faire la bonne rencontre au cours d'une existence humaine sont aussi minces que de trouver la mort dans un crash d'avion. Alors pourquoi pas donner un petit coup de pouce au hasard? Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Créez un espace sacré autour de vous
et tenez éloignées les pensées stressantes et inutiles. Imaginez maintenant un lieu agréable, un endroit paisible, où vous vous sentez bien, en toute sécurité. Nous allons maintenant effectuer un exercice pour créer ce champ vibratoire pour que vous puissiez attirer la bonne personne pour vous. Ah, vous venez de pas genre avoir un four normal, vous, je suis sûre. Pensez pendant une minute aux qualités que vous aimeriez dans un ou une partenaire idéale. Bonsoir. Un four normal. Vous voulez dire... Je veux dire, pas un micro-ondes, quoi. Un four, un vrai four. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes avec votre partenaire idéal. Si c'est la peu, vous n'êtes pas seul. Si c'est pas confiant. Oh, c'était quoi, non, ça, bien, ça voilà. Vous savez que c'est à cause de ce genre d'attrape-bobo pseudo-bouddhiste que de plus en plus de psychanalystes sérieux mettent la clé sous la porte. Alors, vous faites quoi, là? Vous promenez votre poisson? Ma mère est en panne, mon four vient dîner. Mon four est en panne, ma mère vient dîner. Ah bon, même les psychanalystes font des lapsus de nos jours, alors. Bon, alors, si je dois supporter vos petites vannes de machine à café pour être autorisée à faire cuire ma barbue dans votre four, mais je préfère la manger crue, je crois. C'est une barbue? Ça vous dérange? Enfin, écoutez... Mais non, mais vous êtes toujours comme ça quand vous demandez un service. Comme ça comment? Antipathique. Ah, c'est moi qui suis antipathique. Ah non, peut-être que c'est moi, alors. Et de me dire que je suis antipathique, c'est pas antipathique? Vous avez vu quand même comment vous arrivez chez moi avec votre barbu, là? Pourquoi? Vous n'aimez pas la barbu? Ce serait pas une turbo, cette barbu? Parce que si c'est un turbo, vous me laissez me servir de votre four. Mais je ne vous ai jamais dit que vous pouviez pas vous servir de mon four. Oh non, je peux. Non, je vous ai pas dit non plus que vous pouviez. Je vous ai rien dit, mais rien demandé. Vous êtes arrivé, vous avez commencé à m'agresser, là. Ça se passe comment, votre travail en ce moment? C'est tendu, non? Je vous sens les nerfs à vif. Alors, ça va pas recommencer. Le four est là, vous faites comme chez vous. Moi, je suis pas là. Si on se fait prier, elle va dans la cuisine. Elle pose le plat, elle ouvre le four, elle se penche. Elle a un mouvement de recul assorti d'une grimace de dégoût. Qu'est-ce que c'est bien joué. Elle ouvre la porte donnant sur le palier. Vous allez où? Chercher de quoi nettoyer. J'ai jamais vu un four aussi crasseux de ma vie. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je détends les muscles du visage. Je relâche les muscles du cou. Vous l'avez pas nettoyé depuis combien de temps? On vous a jamais dit que c'était très nocif, les vieilles graisses calcinées? Moi, si je pouvais passer 5 minutes dans la cuisine de mes patients, j'en apprendrais plus sur eux qu'en 5 ans d'analyse. Vous faites comment quand votre mère vient dîner? Ma mère est morte quand j'avais 6 ans et demi. Oh, vous avez du bol! Allez-vous-en, là! Pardon? Prenez la barbu, barrez-vous. C'est comme ça que vous me remerciez de nettoyer votre feu? Ah ouais, vraiment, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Bon, regardez-moi. Je vous demande de partir, là. Non, mais vous êtes très, très instable, là. Vous en rendez compte, hein? Je vous jure, si vous partez pas tout de suite, je prends la barbu, je la balance par la fenêtre. C'est ça que vous voulez? Mais dites-moi ce que j'ai dit, dites-moi ce que j'ai fait. Non, non, pas... Donnez-moi ce plat. Donnez-moi ce plat. Oula. Vous êtes dans l'ivresse de votre colère, là. Allez, expliquez-vous, expliquez-moi. Je suis votre voisine de palier. On se croise 3 fois par semaine. Ça va être invivable si on se fâche. Non, non, pour se fâcher, il faudrait qu'on s'entende, déjà. Ben, on s'entend pas. Vous croyez que je viendrais faire cuire un poisson pour ma maman chez quelqu'un avec qui je... Dehors! Qu'est-ce que vous faites? Je fais préchauffer, ça nous laisse le temps de parler. Non, 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 non. Vous ne faites pas préchauffer du tout. Prenez la barbe, cassez-vous. Mais j'ai été maladroite, laissez-moi me rattraper. Vous n'êtes pas maladroite. Vous êtes odieux, j'ai rien à rattraper. Voilà, antipathique, odieux. Au revoir. Est-ce que vous pouvez, une seconde, sortir de votre petite logique et essayer de vous mettre à ma place? Au revoir. Si vous saviez le nombre de patients qui se plaignent à longueur de journée de leur mère. À 3, je lâche. Quand vous m'avez dit que vous aviez perdu la vôtre très juste, mais j'ai pensé que vous, au moins, vous n'aviez pas ce problème-là sur le dos. 2. C'est de l'humour, psy. Et 3. Ouh. Conscience que c'est très très régressif, ça, comme attitude. Bébé laisse tomber son joujou pour voir si maman va le rattraper. On est en plein stade anal, là, je vous préviens.
Danone, c'est ça? Vous êtes chargé de me pousser à bout, là. Ils veulent me faire craquer? Ils ont besoin d'une taupe dans la boîte? Vous trouvez que j'ai une tête de taupe? Non. Bah, à première vue, comme ça, vous donnez l'impression d'être un type droit, incassable, bon, assez rudimentaire, mais avec un bon vieux bon sens chevillé à la cervelle. En fait, vous êtes un vicieux. C'est l'appartement que vous visez? Vous voulez que je décampe devant l'appartement pour le récupérer après? Mais qu'est-ce qu'il a de plus que le vôtre, cet appartement? Vous savez à quoi on reconnaît un manipulateur? Un manipulateur ne répond jamais par oui ou par non. Non mais, vous avez forcément un but! On pourrit pas la vie de son voisin comme ça pour le plaisir! Vous lui posez une question simple, par exemple, est-ce que je peux me servir de votre four? Et là, il ne vous lâche plus. Vous manquez de passion? Vous poussez vos victimes à bout et ensuite vous proposez de les soigner, c'est ça? Contrairement à ce qu'on croit, un manipulateur peut avoir une intelligence très limitée. C'est même plutôt un atout pour lui d'être borné. On se méfie moins. Vous me draguez? Pardon? Vous me draguez? Moi, je vous drague. Elle me drague! Ah oui, là, vous me draguez, là. Comme les petits enfants de la cour de récréation. On n'ose pas dire qu'on l'aime à la fille qu'on trouve belle, alors on tire sur sa queue de cheval. Attendez, moi je suis perdue là. La petite fille à la queue de cheval, c'est vous ou c'est moi? Non, c'est moi là. D'accord. Donc moi je suis le petit garçon timide et maladroit qui vous tire vos beaux cheveux que votre maman vous a amoureusement coiffé pour en faire une belle queue de cheval. Mais est-ce que c'est pas un tout petit peu inacceptable de reparler de ma mère là? Mais non, mais je parle pas de votre mère. Je vous parle de la maman, de la petite fille à queue de cheval, de votre fantasme. Mon fantasme? Vous avez une idée de ce que c'est mon fantasme tout de suite, là? J'ai le pressentiment que vous allez me le dire à la prochaine réplique. C'est interdit, ça. Qu'est-ce qui est interdit? De parler de la prochaine réplique, c'est interdit. C'est interdit. On dit pas réplique. Si on dit réplique, ça veut dire qu'on est des personnages, on dit des répliques. Tout ce qu'on dit, c'est écrit à l'avance par quelqu'un. C'est interdit par qui? Par quoi? Ça se fait pas! Ça casse tout! On n'y croit plus du tout, là. C'est un petit peu facile, aussi! Alors, l'autre dit quelque chose qui vous embarrasse et on sort du rôle? J'ai parlé de réplique, j'aurais pu parler de répartie, de réponse, on va pas en faire un drame. Ben dites aussi que la barbiole est en carton pendant que vous y êtes. Et ce mur-là, il n'existe pas? Puis derrière, on sait pas, hein, il y a peut-être des rangées de fauteuils avec des gens assis dessus qui nous regardent nous engueuler depuis trois quarts d'heure. Un peu de tenue, quand même. Je vous demande votre main. Qu'est-ce que vous sentez? Oh, c'est mou. Oui. Et quoi d'autre? C'est frais. Oui. Et maintenant, si vous l'approchez de votre nez, votre main, elle sent quoi? Poisson. Donc? C'est pas du carton. Vous êtes sûr? Oui. Vous pensez toujours que je vous drague? Ah non. Bon, alors maintenant, je vais vous poser une question très simple. Et je vous demande de me répondre par oui ou par non, d'accord? D'accord. Est-ce que vous voulez bien que je fasse cuire cette barbue dans votre four? Non. Vous ne voulez pas? Mais non. Mais pourquoi? Parce qu'il est cassé. Qu'est-ce qui est cassé? Le four. Votre four est cassé? Il chauffe pas. Mais pourquoi vous m'avez dit de m'en servir alors? Mais je vous ai jamais dit de vous en servir. Je vous ai dit faites comme chez vous. Mais c'est pareil hein? Non, c'est pas pareil, les mots c'est jamais pareil. Vous êtes payé pour le savoir. Faites comme chez vous, ça veut dire vous pouvez vous en servir comme chez vous. Et comme chez vous, il est cassé. Pas. Mais vous m'auriez pas cru, j'ai préféré que vous le constatiez par vous-même. Je vous crois pas.
Bah vérifiez, vous l'avez mis à préchauffer il y a un quart d'heure. Mais qu'est-ce que je vais en faire Carpaccio. Sa chimie. Tain, vous la connaissez pas. Bah elle peut pas être pire que... Elle comprendra. Imaginez que je sois un bol de café au lait. Moitié lait, moitié café. Mon père, c'était le lait. Ma mère, c'est le café noir. Vraiment noir. Au revoir. Au revoir. À présent, sélectionnez une des qualités de votre partenaire idéal. Sentez comment vous appréciez cette qualité. De cette manière, vous devenez compatible avec ce que vous désirez. Dites merci, j'aime cette qualité. Merci, j'aime cette qualité. Cher Édredon Douillet, nous souhaitons vous présenter Orchidée AB47. Cher Docteur Toc Toc, Steven 225 pourrait vous correspondre. Votre profil intéresse Confiture Bonne Maman, découvrez-la. Pigeon Voyageur vous a envoyé un message, découvrez-le. Jeune d'esprit et plein de sensibilité et de charme, je pense correspondre à votre recherche. Jeune d'esprit, pleine de sensibilité et de charme, je pense correspondre à votre recherche. J'apprécie la ville, mais je préfère la campagne et encore plus le bord de l'océan Atlantique entre Saint-Nazaire et la Tranche-sur-Mer où j'espère m'installer bientôt avec vous. Si vous êtes tenté, n'hésitez pas. Je vous laisse le choix du modus operandi du moment. Taux d'affinité 72%. Taux d'affinité 72%. Quand CD53 vous dévoile sa photo, découvrez-la. Découvrez-la. Petit curieux, visitez votre profil, découvrez-la. Petit curieux est le petit nom que me donnait ma maman. Bonjour Édredon Douillet, nous avons sélectionné pour vous bonnes cuillères. Elle m'avait surpris en train de regarder dans le trou de la serrure de sa salle de bain. Taux d'affinité 75%. Qu'en pensez-vous, docteur Toc Toc? Je suis sûre que ça doit être une expérience bien agréable de s'étendre sur votre divan. Découvrez les célibataires du jour. Marika B78. T1787. Lille Abeille. Johan Z21. Contessa 567. Capitaine 234. Françoise A215. Jimmy AA165. Tigresse Désilée. Mister Wattel. Antigone 343. Serge Gainsbourg. Edith Piaf a chanté sans amour, on est bien du tout. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Comme dit Souchon, on a soif d'idéal. Cheveux noirs, longs, cheveux noirs, courts, 1m60, 1m80, 75 kg, c'est normal. Je suis une femme qui aime aussi bien sortir que passer des soirées. Je suis un homme qui apprécie les balades en forêt. Mon rêve est de découvrir les plages d'Albanie avec la mer. La peinture à l'huile dans l'histoire et la cuisine aux épices me donnent très envie. Je ne vois pas une tache, il y a une tache. Moi, je la vois pas. Bah, là, vous voyez pas là. Ah là. Vous voyez là. Mais non, mais là, c'est pas une tache. Ah, c'est pas une tache. Non, c'est une ombre. Une ombre. L'ombre de quoi? L'ombre d'une tache, si vous voulez, mais... Et bien, ce que je veux, c'est que vous appeliez votre plombier avant que ça devienne l'ombre d'une cloque. Non, sérieusement, ça peut peut-être venir du dessus. Hein. Une tache d'humidité sur un mur derrière lequel vous m'avez dit que se trouve votre cabine de douche. Vous pensez vraiment que ça peut venir du dessus? Non, mais imaginez que je vous réponds. Ah oui, effectivement, ça peut peut-être venir du dessus. Vous imaginez le temps que vous allez me faire perdre à contacter le ou la voisine, alors que les probabilités pour que ça vienne de chez vous sont quand même immenses. Ok, ok. J'appelle le plombier demain matin. Merci. Bonsoir. Bonsoir.
se dirige vers la porte, pose la main sur la poignée, s'interrompt, se retourne, glisse une main dans sa poche, retire une enveloppe de sa poche, fait quelques pas dans ma direction, me tend l'enveloppe. C'était dans ma boîte, mais le facteur s'est trompé. C'est pour vous. Ça s'appelle une fausse sortie. Pardon? Ce que vous venez de faire, là, au théâtre, ça s'appelle une fausse sortie. Quoi, l'enveloppe, là? Mais non, faire comme si vous alliez sortir et finalement vous raviser. Ah, Colombo. Pardon? Colombo, l'inspecteur. Il a déjà pris congé. Il a un pied sur le pas de la porte. Le méchant commence à respirer. Et craque, il se retourne. Et il pose la question qui fait mal. Voilà, si vous voulez, comme Colombo. Oh, j'adore. Colombo. Non, non, les fausses sorties au théâtre, j'adore. On sait que la scène n'est pas finie. Les personnages ont encore plein de choses à se dire. Pourtant, il y en a un qui va pour sortir. Alors, on se demande quel truc a trouvé l'auteur pour qu'il sorte pas. Et crac, c'est reparti pour un tour. C'est tout ce que je déteste. Quoi, le théâtre? Non, non, je ne sais pas ce que c'est, le théâtre, mais ce genre de théâtre, ce genre de truc, comme vous dites, là, ça pue les vieilles planches. C'est tout ce que je déteste. Bon. Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Vous n'oubliez pas le plombier? Non, non, j'oublie pas le plombier. Oh, ma lettre! Hein? Ma lettre! Ah oui. Alors, je croyais que c'était pour moi, donc je l'avais ouverte. Merci. C'est un parti politique, hein, le... Merci, bonsoir. Bonsoir. Non, mais c'est fou. Comment se fait des idées fausses sur les gens, c'est... D'autres lieux communs? Sinon, j'ai du travail. Non, sérieusement, je vous imaginais pas du tout de droite, moi. Ah, parce que maintenant, vous m'imaginez de droite. Bah, d'habitude, quand on adhère à un parti de droite... Ah, vous... mais non! Mais non! Mais c'est pas un parti! C'est un mouvement! Il y a un mouvement libéral, démocrate et européen. Bon, c'est quelque part du côté du centre. Ah, c'est la première fois que je vous entends vous justifier. Ah mais non, mais je ne me justifie pas, je vous dis ce qu'il y a. C'est un petit peu faux cul quand même. Quelque part du côté du centre. Un parti droite, c'est un parti droite. Centre droit, si vous voulez, mais droite quand même. Quand on est de gauche, on n'adhère pas à ce parti. À ce mouvement. Et donc? Non mais rien, je vous imaginais pas, c'est tout. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi? Bah, d'habitude, quand on vous cherche, vous démarrez au quart de tour. Vous vous êtes coupé les griffes. D'habitude? Je ne savais pas qu'il y avait des habitudes entre nous. Est-ce qu'il m'étonne... Je peux vous poser une question? Ouais. Qu'est-ce qui vous permet de penser que votre opinion sur mes opinions peut une seconde éveiller l'ébauche du commencement de l'embryon d'un quelconque intérêt chez moi? Bonsoir. Vous êtes vraiment de droite, hein? Oh, oh, oh. Juste expliquez-moi. Mais que je vous explique quoi? Pourquoi vous êtes pas de gauche? Oh mais... Vous me faites perdre mon temps avec votre cabine de douche pourrie, là. Vous violez mon intimité en ouvrant mon courrier. Et maintenant, vous voudriez que je vous explique pourquoi je ne pense pas comme vous pensez que je devrais penser. Moi, je peux tout à fait vous expliquer. Pourquoi je ne suis pas de droite? Mais je m'en fous. Vous vous en foutez? La vie de la cité me concerne. Pas les deux ou trois tartes à la crème qui vous tiennent lieu d'opinion politique. C'est systématique la condescendance chez vous. Hein? Et vous? C'est pas de la condescendance de me demander pourquoi je ne suis pas de gauche? Non, c'est pas de la condescendance, c'est de la curiosité. Une curiosité condescendante. Vous ne m'auriez jamais posé la question si j'étais de gauche. C'est vrai. C'est vrai que je demande rarement aux gens de gauche pourquoi ils ne sont pas... de gauche. Vous
Vous devriez perdre l'habitude de sourire à vos propres blagues. Vous devriez prendre l'habitude de sourire tout court, hein? Vous devriez vous entraîner devant un miroir, je crois que ça vous ferait du bien. C'est une blague de gauche, ça? Non, c'est pas une blague, c'est un conseil. Souris, va à ta gauche et mange 3 yaourts par jour, c'est ça la recette du bonheur? Persécute ton voisin, va à droite et bouffe de la barbu crue, c'est la recette de quoi? De la tranquillité! Je vous laisse tranquille, bonne soirée, hein? Mais c'est quand même incroyable! Bon, qu'est-ce qui est incroyable? Allez. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Vous n'imaginez pas que je puisse être de droite? Je sais pas, c'est juste que vous correspondez pas à l'idée que moi je me fais de la femme de droite. Ah bon? Ah bon, parce que pour vous il y a un modèle unique, un moule dans lequel sont fondues toutes les femmes de droite. Il y a des variantes. C'est vrai qu'une femme de droite, pour moi, c'est une mère de famille, déjà. Une quoi? Il y a un petit côté... mère fouettard, non? Ah, alors, femme de droite égale mère fouettard. Non, c'est pas non, mais ça. Vous savez que normalement, je suis payée pour entendre ce genre de conneries. C'est comme ça que vous qualifiez ce que disent vos patients? Non, parce que ce sont mes patients, justement. Mais quand c'est mon voisin qui lâche ça à 8h du soir, au milieu de mon salon, oui, j'appelle ça une superbe connerie. Bon, ok. Toutes les femmes de droite ne sont pas des mères de famille énervées, c'est... C'est juste qu'excusez-moi, mais moi je pouvais pas imaginer qu'on puisse être psychanalyste, parisienne, lesbienne et de droite. Lesbienne? Vous n'êtes pas lesbienne? Mais non! Enfin, je crois pas. Mais non! Il faut le dire à la gardienne alors. De vous. Bah, comment elle a fait pour me dire ça sans vous parler de moi? On parlait de l'immeuble en général. Ah bon? Et elle vous a dit ça comment? Tiens, à propos de l'immeuble en général, votre voisine de palier est lesbienne. À peu près, ouais. Ok. Vous preniez votre voisine pour une lesbienne de gauche, vous apprenez que c'est une hétéro de droite. Oui, effectivement, ça doit faire drôle. Oui. Écoutez, de toute façon, comme disait Marguerite Duras, on est tous des homosexuels en puissance. Quoi? Marguerite Duras. Ben quoi? Vous aimez Marguerite Duras? Oui. C'est mon écrivain préféré. Vous êtes l'instrument d'une espèce de dieu farceur, d'un genre de divinité chargée d'imaginer des châtiments, des punitions un peu marrantes. Les Grecs appelaient ça la némésis. Je crois que vous êtes ma némésis. Oh non, mais je sais pas ce que j'ai fait, moi. Je sais pas ce que je fais. Ça doit pas être anodin, parce que vu la lourdeur de la peine... Vous n'aimez pas Marguerite Duras? Ah non! Mais non, mais c'est trop improbable! Mais vous n'avez pas le profil! Marguerite Duras, l'écrivain préféré d'un type comme vous! C'est au-dessus d'un certain seuil, le mépris, ça! Mais non, mais c'est pas du mépris, pardon! Non, mais c'est juste que je m'y attendais pas du tout!
parce que normalement, les gens qui dégainent Marguerite Duras, je les vois venir. Hein. Je me prépare, je suis sur mes gardes. Mais alors là, vous m'avez, mais... Bon. Alors c'est quoi votre problème avec Marguerite Duras? Ah mais non, mais c'est pas Marguerite Duras en particulier. C'est l'obscénité en général. C'est la malhonnêteté, quoi. C'est la laideur agressive du kitsch absolu. Bon, votre problème à vous, c'est que vous n'êtes pas simplement antipathique et odieuse, mais vous êtes aussi complètement con. Parce que sous des allures comme ça, mais vous dites des conneries, mais monumentales, hein. Elle a de la chance, Marguerite Duras. Elle a trouvé un avocat qui a le sens de la formule. Mais c'est pas Marguerite Duras qui a besoin d'un avocat, là. Ah bon, c'est moi. C'est moi, mais pourquoi? Parce que j'aime pas Marguerite Duras? Parce que je suis pas lesbienne? Parce que je suis pas de gauche? Je suis sûr que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Vous aimez peut-être pas tout, d'accord. Mais si vous l'avez lu, il y a forcément des passages qui vous ont touché. Oui, il y a des passages qui m'ont fait pleurer de rire, oui. Et il y a des passages qui m'ont fait pleurer tout court. Mais pas parce que j'étais touchée, comme vous dites, mais parce que j'avais honte que ma langue maternelle puisse être l'instrument d'un tel crime contre la beauté et l'intelligence. Tout. J'y vais. Non, vous ne vous en allez pas, vous fuyez. Oui, je fuis mon envie de vous étrangler, là. Vous fuyez le débat. Le débat? Mais quel débat? Il n'y a pas de débat, là. Vous êtes une dangereuse réacte déguisée en psychanalyse, bobo. Il n'y a pas pire, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que vous êtes d'accord, c'est pour ça que vous fuyez. Vous avez envie de m'étrangler parce que, dans le fond, vous détestez la prose de cette vieille sorcière autant que moi. Et vous vous détestez de ne jamais l'avoir avouée, ni aux autres, ni à vous-même. Eh ben oui! Je déteste Marguerite Duras! Je suis de droite! Et je suis secrètement amoureux de vous, c'est ça? Vous devez avoir 16-17 ans. Vous avez le cœur qui se serre pour la fille un peu étrange de la classe. Peau plus fine que le papier des cigarettes qu'elle se roule. La veine sous la peau de la même nuance transparente que son regard. Entre les cours, elle sort de sa poche un folio déformé dans lequel elle se replonge, totalement indifférente au chahut qui l'entoure et à vous qui l'observez en faisant semblant de draguer les autres filles. Quand vous passez près d'elle, vous n'arrivez pas à lire la couverture de son bouquin qu'elle tient plié comme un cahier entre ses doigts maigres. Peut-être parce que vous vous retrouvez assis à côté d'elle dans le car, ou bien à l'étude, un après-midi d'hiver, ou parce que vous l'avez suivie sur le chemin du retour. En tout cas, vous finissez par trouver le courage de lui demander ce qu'elle lit. Elle lève ses yeux dilués, les pose sur vous comme si elle vous voyait pour la première fois. Marguerite Duras, tu connais? Le soir même, vous êtes dans votre lit à 8 heures. Un petit bouquin des éditions de minuit entre vos mains tremblantes. Vous êtes l'amant de Gibraltar. Elle est l'amante anglaise. Vous êtes le vice-consul. Elle est Agatha. Aurélia, Vera, Émilie, Lolvestein. Et quand à la fin de l'année scolaire, vous avez terminé la dernière page du dernier roman de Marguerite, vous levez la tête, vous la cherchez du regard, et vous la voyez passer, pendue au bras du capitaine de l'équipe de foot de l'association sportive du lycée. De l'équipe de basket.
mesure 1m98. Un soir, je l'ai appelé. Pour lui dire que j'avais lu tout Marguerite Duras pour elle. Elle a raccroché. Le lendemain, je l'ai croisée au bras de son basketteur. Elle m'a juste dit « C'est chiant, Duras, tu trouves pas ?» C'est le dernier jour de l'année. L'année d'après, elle avait changé de lycée. Un temps. Ils sont tous les deux ailleurs. Avec leur jeunesse ou avec Marguerite Duras. Ce qui revient peut-être au même. C'est chiant, Duras, tu trouves pas? Ah non. Ah non, moi je trouve pas. Moi, je trouve ça très beau. Vous n'oublierez pas le plombier? Non, je n'oublierai pas le plombier. Bonsoir. Bonsoir. Marguerite Duras n'a jamais dit que nous étions tous des homosexuels en puissance. Elle a dit que les hommes, les mâles, sont tous en puissance des homosexuels. Ben, c'est vrai que c'est un petit peu con. Hein? Non. Moi, je trouve que c'est ce qu'elle a dit de plus intelligent. On sera jamais d'accord sur rien, alors. Non. On sera jamais d'accord sur rien. On est d'accord. L'homme et la femme sont irréconciliables. Et c'est cette tentative impossible, et à chaque amour renouvelé, qui en fait la grandeur. Marguerite Duras. Bonjour, docteur Toc Toc. Nous vous présentons Jacques 535. Bonjour Edredon Douillet, nous vous présentons Gentil Coquelicot. Jacques 535, 43 ans, professeur de quoi? Cheveux châtains, yeux verts, 1m96, 88 kg, silhouette sportive. Gentil Coquelicot, dessinatrice textile, 35 ans, cheveux bruns, yeux noisettes, 1m72, 55 kg, silhouette mince, taux d'affinité 99%. Cher Gentil Coquelicot, après avoir lu votre profil et admiré vos photos, j'en viens à la conclusion que nous devrions nous rencontrer. Qu'en pensez-vous? Signé Edredon Douillet. Cher Jacques 535, notre taux d'affinité éveille ma curiosité. Pouvons-nous passer à côté d'un accord aussi parfait? À vous d'en décider, signé Docteur Toc Toc. Cher Edredon Douillet, êtes-vous disponible ce week-end? Signé Gentil Coquelicot. Cher docteur Toc Toc, si vous n'avez rien de mieux à faire ce week-end, peut-être pourrions-nous tenter une approche. J'attends votre réponse, signé Jacques 535. Des questions consternantes. Même à une heure du matin, vous êtes imbuvable. Pourquoi vous parlez
comme ça? Ah, je sais pas, je fais comme vous, moi. Vous étiez pas parti? Parti où? Je sais pas. Vos rideaux étaient fermés tout le week-end. Non, non, j'étais là. Vous aussi, vos rideaux étaient fermés? Oui. Vous étiez là? Oui. Pas seul? Pas seul. Et vous? J'étais pas seul. On n'était pas seul. Elle dort. Moi aussi. Lui aussi. Et pas nous. Non, j'avais besoin de... Vous allez me trouver ridicule, mais je crois que j'ai rencontré l'âme sœur. Pourquoi ridicule? J'aurais jamais imaginé que c'est à vous. J'aurais raconté ça en premier, c'est... Ouais. Non, c'est vrai. Mais vous m'auriez dit ça il y a 2 jours, oui, j'aurais trouvé ça un peu... Mais ce soir, non. Parce que je crois qu'il m'arrive exactement la même chose. C'est l'accord parfait. Oui. C'est une ligne, c'est une seule ligne. Un fil invisible. Un cercle. Une ronde. Un miroir parfaitement lisse. 2 reflets qui se confondent. 2 cœurs en fusion. Qui n'en font plus qu'un. Vous l'avez rencontré comment? Hein? Monsieur Parfait, là, vous l'avez rencontré comment? Ah, c'est une espèce de confrère. Et vous? Quoi, moi? Votre père? Ah. Vous l'avez déniché où? Sur... comme vous. C'est une sorte de collègue. Ah, de bureau. De bureau. Enfin, pas exactement de bureau. Disons que je l'ai rencontré dans le cadre de mes activités paraprofessionnelles. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Pourquoi vous dites ça comme ça? Je dis ça comment? Mais pourquoi c'est bien que je l'ai rencontré comme ça? Ah non, c'est pas bien, non, c'est pas ça, c'est que... Non, mais vous parlez le même langage. Alors c'est quoi le même langage? Quand vous dites dans le cadre de mes activités paraprofessionnelles, elle n'est pas dépaysée. Non mais lui, il est dépaysé, là, le confrère. Quand vous lui dites à quel stade il en est, oral, anal, génital... Non, c'est lui qui en a parlé le premier. Ah, voilà. Il affirme qu'il est resté bloqué à mi-chemin entre le stade phallique et la phase ovipienne. C'est parfait, monsieur. C'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Vous descendez, vous rentrez chez vous? Mais je sais pas, on va peut-être pas rester sur le palier toute la nuit ici. Vous faites quoi, vous? Je crois que je vais rentrer me coucher. Oh non. Non, mais c'est vous, hein. C'est parce que vous disiez que vous aviez besoin de... Oui, non, mais c'est pas ça. Mais là, j'ai peur qu'il s'inquiète, qu'il se réveille et... Et qu'il nous trouve tous les deux là. Oui. C'est vrai que... Pas évident à expliquer. Non, enfin, en même temps, c'est pas comme si on s'était donné rendez-vous sur le palier. Oh non. On pourrait croire. Hein. Mais non. Non. Non, c'est juste un hasard. Pur hasard. Ne laissez plus faire le hasard. Provoquez-le. C'est quoi ce truc-là? Oh bah, je sais pas. Ah bah c'est votre rayon, les slogans à la con. Bah, vous, c'est pas tellement mieux les calembours à Lacan. Radite, je vous trouve très en forme ce soir. C'est votre petite collègue qui... Un compliment de vous. Oh mais ça me fout presque le vertige, là. Il y avait une petite dose d'ironie. Une dose d'ironie, j'ai pas du tout compris, merci beaucoup. Vous avez pas de cigarette? Vous fumez? Non, mais là j'avais envie. J'ai arrêté. Moi aussi.
Ben, il fume pas, là, le... Oh non, ah non, surtout pas, non. Elle fume? Oh non, elle fume pas. Non, mais là, moi, j'en aurais bien fumé une petite aussi, oui. Ah! C'est pas la première fois? Que quoi? Qu'on n'est pas d'accord. Peut-être. Bonsoir. Bonsoir. Vous fumiez quoi avant? Des blondes, et vous? Des brunes. Oh, je l'aurais parié. Bon, alors, ça veut dire quoi, ça? Non, mais une femme qui fume des brunes, c'est un certain genre de femme. Et un homme qui pense qu'une femme qui fume des brunes, c'est un certain genre de femme, c'est pas un certain genre d'homme. Mais enfin, une femme qui fume des gitanes, c'est une femme qui fume des gitanes, quoi. C'était pas des gitanes, c'était des gauloises. Encore mieux. Et vous, vous fumiez quoi? Des Lucky? Des Peter Rouge? Des Cool? Bon, écoutez, oui, ben... Peu importe ce que je fumais, parce que j'ai arrêté. Puis de toute façon, là, je vais me coucher, d'accord? C'est ça, couchez-vous. Non, non, pas couchez-vous. Je vais me coucher quand j'ai décidé d'aller me coucher, hein. C'est pas vous qui mais allez c'est pour me... Mais c'est moi, c'est vous. Vous me dites je vais me coucher, je vous dis couchez-vous. Oui, oui, mais quand vous vous dites couchez-vous, on sait très bien ce que ça veut dire. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la liche. Ah, pour vous, couchez-vous, ça veut dire à la liche. Quand vous le dites, ouais. Ce soir, vous associez votre lit à une niche. Si, c'est vous. Mais c'est pas moi qui suis dans votre lit. Ah, hein. Non, ça c'est pas vous. Et c'est pas moi non plus d'ailleurs. Et bah vous non plus d'ailleurs. Oui, et bah moi, bah moi j'y vais. Et bah c'est ça, allez-y. Vous y allez pas? Quand j'aurai décidé d'y aller. Bon bah moi j'y vais. Et bah c'est ça, allez-y. Mais arrêtez avec vous, allez-y, hein. J'y vais si j'ai envie d'y aller. J'ai pas besoin que vous me disiez allez-y. Bah, y allez pas si vous voulez pas y aller. J'ai jamais dit que je voulais pas y aller. Et bah allez-y. Vous êtes encore l'âme. C'est pas parce que vous avez rencontré l'âme sœur que vous allez annexer le palier toute la nuit, si. Mais j'annexe rien du tout. Et puis je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Oh, et puis merde. Oui, moi aussi, merde. Proposer quoi? À part sonner, je vois pas. On va pas se mettre à se raconter que ça ressemble à une sorte d'acte manqué, si? Quoi? Foutre le camp de chez soi à 1h du matin en oubliant ses clés, alors que l'âme sœur est dans le plumard. Allez-y. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, vous cacher dans l'ascenseur? C'est beaucoup mieux, bien sûr. Parce que je crois que c'est pas la peine qu'il nous voit tous les non, deux. Non, sur là, le là, non, non, pardon. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance
avec le confrère. À vous aussi, avec la collègue. Merci. Au revoir. Je vais pas très loin, je suis... Non, non. Normalement, c'est l'inverse. Quoi, l'inverse? Ben, d'habitude, c'est le contraire. D'habitude, c'est l'amant qui se cache dans le placard de la chambre parce que le cocu est sur le palier. Là, c'est quand même le voisin qui se cache dans l'ascenseur du palier parce que l'amant est dans la chambre. On m'en est chez lui. Voilà, voilà. Si on prend un couple qui fait l'amour, mettons, 4 à 5 fois par semaine et qui s'engueule, disons, 2 fois, ça veut dire qu'il fait l'amour maximum 1h30 par semaine et qui s'engueule minimum 3 heures. Parce qu'une engueulade, c'est jamais moins d'une heure et demie. Il y en a qui durent des semaines, mais 1h30, ça me semble une bonne moyenne. Donc, un couple en forme, pas un couple fatigué, un couple épanoui, vent dans le dos, s'engueule en moyenne 2 fois plus qu'il ne fait l'amour. Et donc ? Rien. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Vous croyez que j'ai envie de me retrouver face à un type qui est resté coincé entre le stade phallique et la phase judiciaire? Arrêtez! Non. Allez, cachez-vous! Allez, cachez-vous! Bonsoir, moi je sonne! Bonsoir, ne sonne pas. Pardon? Pardon. Vous venez pas de parler là? Non. Si, je vous ai entendu, vous venez de dire. Quoi? Vous venez pas de dire « ne sonne pas ». Vous avez cru entendre ? Ne sonne pas ? Non, j'ai pas cru entendre. Vous l'avez dit. Mais pourquoi j'aurais dit « ne sonne pas » ? Et pourquoi je l'aurais entendu si vous ne l'avez pas dit ? Non. Comment ça, non? Si. Je ne sonnerai pas. Et pourquoi vous ne sonnerez pas? Tu ne sonneras pas non plus. Non, mais c'est quoi ce tu, là? Je ne sais plus du tout ce que je crois, où je suis. Oui, mais ça, c'est votre week-end, ça. C'est le manque de sommeil, hein. Mais demain, c'est... Demain, c'est lundi. C'est le boulot. Le yaourt. La petite fleur. Elle est là, la petite fleur. Elle vous attend derrière la porte. Vous voulez que je sonne pour vous? Je veux que tu m'embrasses. Ah, mais non, ça c'est pas... Toi aussi, tu veux. Non, mais ça, je...
deux fait ce week-end une rencontre qui nous bouleverse. Hein. Ce sont des pulsions paradoxales qui surviennent fréquemment quand on est sur le point de s'engager. C'est comme de tester les freins avant d'appuyer sur l'accélérateur. Voilà. Allez, maintenant c'est terminé, c'est oublié, c'est pardonné. Est-ce que vous pouvez lâcher ma main, s'il vous plaît? Je ne lâche pas sa main. Elle ne la retire pas. Il dit. Tes prunelles sont comme deux pierres polies, semées de minuscules points jaunes. Ta main me fait penser aux mains du potier dans Les Contes de la Lune Vague après la pluie de Mizoguchi. J'ai jamais pu regarder un film japonais jusqu'au bout. Mais ça, je l'aurais parié. Ça va être l'enfer, tu sais.